j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul de chez Action. Mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres petits magasins, mais il n'y a que 2-3 bricoles, donc c'est principalement un haul Action. Et j'ai quand même pas mal de petites choses, donc on va essayer de faire très vite, hein. Ouais, c'est pas gagné. Dans cette vidéo haul, il y aura beaucoup de choses sur le loisir créatif, mais aussi pour la maison, comme à chaque fois. C'est, ça mélange les deux, loisir créatif et la déco. Oui, on va dire ça comme ça, c'est pas... Oui, il n'y a pas que de la déco, mais voilà, c'est pour la maison. Voilà. Alors, juste pour te montrer, chez Action, j'y suis allée pas mal de fois. Parce que comme à chaque fois, quand je vais chez Action, je trouve jamais rien. Il n'y a jamais rien de bien. Je te jure, j'ai jamais de chance, quoi. Quand je vais, je vois plein de vidéos haul Action qui me donnent trop envie. Et une fois que je vais dans le magasin, il n'y a rien. C'est trop triste. Bon, on va pas commencer par Action, on va commencer par les autres petits magasins. Par lequel je ne sais pas, parce qu'il y a la Foire Fouille, Stockomanie, Maison du Monde, Nose et Action. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, je vais te dire. Donc déjà, on va aller. Stockomanie, il est juste à côté de moi. Hop, j'ai trouvé... Enfin non, j'ai pas trouvé que ça. J'avais trouvé d'autres petites choses, mais je sais plus c'est quoi. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et je l'avais acheté au mois de janvier. J'avais acheté autre chose au mois de janvier, mais je sais plus du tout ce que c'est. Et puis j'ai plus le ticket de caisse. Donc bah, là j'ai que ça à vous montrer, mais je sais que j'avais acheté autre chose. Donc tant pis. Bref, voilà, c'est un petit panier comme ça, en fer et avec du tissu. Que j'ai eu pour 6€. 5,99€. Mais j'aime pas parler des centimes, c'est chiant. Donc voilà, il fait 35 par 25 par 18. Il est tout mignon, c'est super sympa. Donc moi je le mets dans mon couloir pour mettre mes écharpes, mes bonnets, mes gants. Sauf que là je les ai rangés parce que l'hiver est bientôt fini, même s'il fait un petit peu froid encore. J'ai gardé juste une écharpe, mais ça on s'en fout. Et en été, je vais mettre mes lunettes de soleil, mes casquettes, mes chapeaux. Et au printemps, je vais mettre tous mes foulards. Donc voilà, il sera toujours utile à côté du porte-manteau. C'est très pratique. Voilà. Mais en attendant, c'est les chats qui dorment dedans. C'est normal, tout va bien. Comme ça, je vais avoir plein de poils de chat sur mes écharpes. C'est logique. Je sais que j'avais acheté aussi des fringues, mais je suis pas là pour parler de fringues. Donc on s'en fout complètement. Hein, chez Stockomanie, voilà, pour l'instant c'est tout. Ensuite, on va passer au magasin Maison du Monde. Là, j'ai trouvé deux petits trucs. Parce que Maison du Monde, ça se donne pas. Hein. C'est très cher, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Oh, j'ai galéré parce que j'avais une carte cadeau chez Maison du Monde. Et j'ai galéré à me décider. Je savais pas quoi prendre. Il y avait trop de choses qui me plaisaient. Mais c'est magnifique là-bas, hein, y a pas à dire. Mais j'y vais pas souvent parce que c'est trop cher pour mon petit porte-monnaie. Mais bref, là je suis tombée sur deux petits trucs qui me plaisaient beaucoup. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce petit plat. Donc moi je vais mettre mes gâteaux en forme de cake, ou même des cakes salés, des cakes sucrés, des cakes salés, ou tout plein d'autres petites choses. Enfin bref, voilà, je vais m'en servir pour l'apéro ou pour en dessert. Avec un effet de carreau de ciment qui est vraiment magnifique. Et lui il était à 13€, 12,99€. Et c'est marqué que c'est handmade Maison du Monde, c'est fabriqué par eux. Et je le trouve vraiment magnifique. Il est trop beau. Et pour aller avec, bien évidemment, j'ai trouvé un... Non, c'est pas un bol. Comment tu peux appeler ça? Il n'y a pas marqué. Une soucoupe. Voilà, c'est pas très haut. C'est assez plat, mais c'est très grand. Voilà, enfin bref, il est magnifique aussi, lui. Et lui, il était à 19,99€. 20€. 20 plus 13. Et boum! Juste pour ça. Je sais que la vaisselle, ça se donne pas en général, mais chez Maison du Monde, ils se touchent quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Je le trouve trop beau. Alors, ce qui est con, bon, après, c'est pas trop dérangeant, c'est que là, le liseré, il est couleur menthe, alors que là, il est gris. Bon, on va pas chipoter pour si peu, ça va très bien ensemble quand même. Hein. C'est exactement les mêmes motifs. Et c'est trop beau. Au prix que ça coûte, je vais pas le casser mon petit truc. Hein. C'est un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. Mais j'avais hésité avec encore plein d'autres choses. Puis finalement, voilà. Je me suis penchée sur ça. Donc maintenant, on va passer à Nose, le dernier. Enfin non, le dernier, c'est l'incroyable. Oui, tout à l'heure, j'ai dit la foire fouille, mais j'ai une connerie, c'est l'incroyable. Mais je peux pas te le montrer pour le moment parce que... Bah, tu verras ça après. Là, on passe à Nose. Et Nose, ça fait deux fois, les deux dernières fois que j'y suis allée, où j'ai rien trouvé. Je suis vraiment dégoûtée. La dernière fois, il y avait rien. Et là, c'est pareil, j'ai quasiment rien. Deux fois où j'y vais ou deux fois je suis déçue, quoi. C'est la mouille. Alors pour commencer, ça n'a rien à voir avec le loisir créatif. Et j'ai trouvé ce petit truc
tout con, tout débile, mais je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des... comment ils appellent ça? Je sais même pas le nom de ça exactement. C'est pour attacher les câbles ensemble. Tu vois? Ces petits bitonios là. Je déteste, il y a tous les câbles qui se baladent à droite à gauche, ça m'énerve, je supporte pas ça, donc j'aime bien prendre ces machins là pour tous les regrouper ensemble. Et bah j'en avais plus. Donc j'en ai repris. Et là c'était 2€ les 100. C'est ça, il y en a 100 dedans, ouais. Moins 75%. Nickel! Alors c'est pas costaud costaud, mais ça tient quand même pas mal. Tous mes fixes sont rejoints tous ensemble, donc c'est très bien. Moi je suis contente. Voilà, des trucs débiles. Ensuite, ça non plus, c'est pas le loisir créatif, mais j'en avais vraiment besoin parce que j'en avais plus. Et ça, je m'en sers quotidiennement. Oh, c'est pas la marque cette fois-ci. Non, on s'en fiche. Donc c'est un gel lavant pour les mains. Parce que moi, je me lave les mains, je sais pas combien de fois par jour. Avec les bijoux en polymère, faut se laver les mains régulièrement. Et vu que j'en avais plus, je me lavais les mains avec le liquide vaisselle. Putain, les mains, dans quel état elles sont? Ça attaque ça, c'est un truc de dingue. Donc du coup, voilà, chez Nose, j'ai trouvé celui-là. Au fruit rouge. Ouais, un savon pour les mains, fraises, framboises et grenades. Pour 1,65€. Donc, et puis c'est un balèze, il est gros. Il y a combien? 500 ml. Donc, c'est très bien. Bref, voilà. Et après, c'est que du loisir créatif. Donc, je suis tombée sur ça. Et j'ai dit, oh putain, c'est excellent. Un moule pour faire des petites roses à 99 centimes. C'est un moule avec 3 fleurs. Je trouve ça super sympa. Il y a 3 belles fleurs, 3 belles roses. Donc moi je vais m'en servir pour la résine. Moi quand je l'ai vu pour 99 centimes, les moules normalement ça se donne pas. Donc ça c'est vraiment génial. Moi il y a juste la rose du milieu qui a eu une... Elle a eu un accident. Je l'ai eu comme ça. J'aurais dû vérifier avant de l'acheter mais bon. Normalement ça devrait pas gêner. Bref, voilà, un moule avec 3 petites roses. Moi, je suis contente. Ensuite, j'ai trouvé des petits emporte-pièces pour 99 centimes. Il y en a 4 à chaque fois dedans. Donc, il y en a un avec des petites marguerites. C'est marqué dessus, c'est comme le porcelet. Donc, c'est des pousse-pousse. Il y a 4 tailles différentes à chaque fois. Là, c'est des petites marguerites. Et là, ils appellent ça des diamants, mais en fait, c'est juste des losanges. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on m'a passé une commande pour refaire un attrape-rêve géant comme ça, mais tout en blanc. C'est pour un mariage. Je suis trop contente. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé des rubans blancs chez Nose pour... Il n'y a plus le prix, mais je crois que c'était 1,50€ la bobine. Donc du coup, voilà, j'ai pris des rubans blancs. Un en satin et un en organza. Les chats sont en train de faire la guerre. Oh mon kiwi, il a la grosse queue, petit père! Bon bref, voilà, des bobines de 20 mètres pour 1,50€. Et pour terminer, chez Nose, j'ai fait le plein de washi tape. Enfin, le plein, il y en a 6. Donc, on commence par les grands, il y a des grands rouleaux. Ils étaient à 69 centimes. Donc j'en ai pris un couleur menthe uni, tout simple. Voilà. Il y en a encore un autre menthe, mais avec un motif chevron. Putain, je tremble. Toujours à 69 centimes. Et un bleu avec des bubules. Voilà. Et les trois autres... Merde, me fait peur. Les trois autres, ils sont plus petits. Il n'y a plus le prix, mais je crois que c'était seulement 10 centimes de moins. Donc du coup, ça fait 59 centimes, le washi. Donc j'en ai pris un peu dans... Ouais, un peu géométrique, on va dire ça comme ça. Avec des motifs géométriques. Si on m'écrique. Il y en a un avec la constellation. Les constellations. Je sais pas si ça se voit bien. Et le dernier, c'est avec... Moi, je dirais plus les étoiles filantes. Les étoiles filantes ou un feu d'artifice? Non, des étoiles filantes. Moi, ça se voit pas du tout. Un petit peu. Voilà, ils sont dans les tons violets. Et encore un autre, sauf que là c'est pas du washi, c'est du fabric tape, parce que c'est du tissu autocollant. Donc là c'est pareil, il n'y a plus le prix. Et ça devait être 79 ou 89 centimes les deux rouleaux, je sais plus exactement. Donc voilà, c'est du tissu autocollant avec des petites fleurs. C'est tout mignon. Voilà. Et puis c'est... Et maintenant on va pouvoir passer au magasin Action.
Voilà, donc je vais commencer par ce qu'il y a pour la maison. Et puis après, je finirai avec le loisir créatif. Dans le désordre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, on s'en fout. Hein. Je prends le premier qui vient, qui est sous mon nez. J'ai pris deux petits pots de buis comme ça. C'est du buis, hein, que je dis pas de conneries. J'ai pas remarqué ? Oui, des billes de buis. Voilà. Alors, à l'origine, je les avais pris pour les mettre dans les petits pots que j'avais fabriqués, que je vous avais fait en DIY. Mes petits pots en terre cuite que j'avais customisé, et je voulais les mettre dedans. Ça rentre pas. Je suis dégoûtée. Donc du coup, je vais faire une autre astuce. C'est que je vais récupérer le petit pot là, et je vais juste enlever ça. Si j'y arrive. Oh, oh, j'ai du polystyrène dedans, c'est bon. Et voilà, tadam. Et mes petits trucs là, ils étaient à 2,99€. Donc du coup, voilà, j'en ai deux. Parce que j'avais deux petits pots. Je vais faire la même chose. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein ? Là, c'est plus mignon comme ça. Non, tu vois pas. Voilà. Donc du coup, je vais récupérer ces deux-là pour faire autre chose avec, du coup. Le plastoc, non ? Je sais pas. On verra bien. Ensuite, quand je l'ai vu, ce truc-là, je suis tombée amoureuse. Je l'ai pris direct. Mais si j'avais su, j'en aurais pris beaucoup plus. Parce que quand j'y suis retournée, eh ben, il n'y en avait plus. Je suis dégoûtée. Du coup, j'en ai qu'un. C'est nul, hein. Bref, voilà. C'est comme chez Alinéa. Non, chez Maison du Monde. Putain, je suis perdue, excusez-moi. Bref, c'est une petite... Un bol ? Non, une coupelle, voilà, bref, voilà. Donc là, tu vois rien. J'ai mis déjà mes fruits dedans. Parce que je... Voilà. Mais j'avais rien pour mettre mes fruits. Et à chaque fois, dans les trucs que t'achètes spéciaux pour fruits, là, les trucs en ferraille, bah, ça te nique les fruits en moins de deux. Là-dedans, j'arrête pas de mettre mes fruits dedans et ça se tient nickel. Ils tiennent beaucoup plus vite. Et voilà. Regarde comment c'est trop beau. C'est magnifique. Hein. Il existait en doré, en bronze et en argenté, si je dis pas de conneries. Moi, j'aimais bien en bleu. Et à chaque fois, tous les motifs, ils étaient différents. C'est ça qui est génial. Mais ben, il n'y en a plus. C'est nul. Hein. Bon, bref. Là, du coup, celui-là, je l'ai payé 3,88€. Et c'est du verre de cristalline. Donc, enfin, il est magnifique. Moi, je le trouve trop beau. Les motifs des recto verso. Là, ils sont plats et là, ils sont en relief. On s'en fout complètement. Ensuite, j'avais besoin impérativement. C'est une boîte de rangement comme ça pour mettre mes torchons de la cuisine. Que là, ils étaient comme ça, dans le tiroir, en boxon. Ça m'énervait, ça me saoulait. Donc, je voulais une petite boîte pour ranger tous mes torchons. Voilà. Et donc, cette petite boîte, je l'ai payée 2,50€. Bref, voilà. Une petite boîte toute simple, transparente, c'est pas grave, dans le tiroir, ça se voit plus. Pour ranger mes torchons. Ensuite, ces trucs-là, c'est pareil, quand je les ai vus, il me les faut absolument. Je les veux, je les veux, je les veux. Des sets de table en liège avec un imprimé bois. Bon bref, là j'en ai pris 4 pour l'instant, mais je pense que s'il y en a encore, quand j'y retournerai, je reprendrai d'autres parce que 4 ça suffit pas. Oui, on est 4 à table, donc ça suffit, mais si je reçois des invités, j'en aurai pas assez. Donc il faudrait que j'essaie d'en racheter. Bref, là j'en ai 4 et je les ai eu à 1,29€. Et il existait en bois gris clair, enfin gris, et en effet marbre. Et ils sont super sympas. J'ai déjà mis un plat chaud dessus, ça bouge pas, c'est nickel. Donc ensuite, l'achat suivant, bon là j'ai juste l'emballage parce que j'ai déjà installé le truc. C'est un petit thermomètre pour mettre à l'extérieur parce que celui que j'avais, il était mort. Je l'ai fait tomber comme une con et puis paf, il a explosé. Je suis très... Donc voilà, du coup j'ai racheté un petit thermomètre qui est installé là. Je sais pas si on le voit bien. Il est là, tu le vois? Il est juste... Bref, voilà mon petit thermomètre là-bas. Mais bah, il n'est pas extraordinaire. Hein. En même temps, je l'ai payé 1,99€. Mais peut-être que c'est de ma faute que je l'ai mal placé. Parce que là, il est à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais si j'ai pas en fait, parce que c'est juste une ventouse. Donc là, je me dis, s'il tombe, il tombe sur le balcon. C'est pas très grave. Alors que si je le mets sur ma porte-fenêtre, s'il tombe, bah, il tombe de deux étages. Donc à mon avis, ça va pas le faire le... Il va peut-être pas apprécier. Mais bon, ça fait
Ouais, ça fait quasiment un mois qu'il est sur ma fenêtre et qu'il n'a pas bougé. Donc peut-être que je me dis, je vais quand même essayer de le mettre sur là. Ce sera peut-être mieux, donnera peut-être mieux la température. Parce que là, il me dit qu'il fait que 4 degrés, alors que sur mon téléphone, il fait 11 degrés. Il y a quand même une différence. Donc voilà, c'est pour 2 euros. Hein. Je crois que je vais m'en racheter un autre quand même parce que il n'est pas extraordinaire. Ensuite, j'ai acheté ce petit tableau en 3D. Est-ce que ça se voit à la caméra? Je ne sais pas. C'est pour mettre dans mes toilettes. Dans mes toilettes, en fait, j'ai juste une tablette pour mettre les produits. Et bah, tous les produits sont à la vue de tout le monde. Ça fait moche, ça fait dégueulasse. Donc du coup, je vais les cacher derrière ça. Et ça sera beaucoup mieux comme ça. J'ai pas envie d'acheter un meuble. Ça coûte cher les meubles pour les chiottes. Alors que voilà, avec le système D, avec un cadre, et ben on peut cacher les produits derrière. Bon, faut pas que le truc il nous tombe sur la tête quand on va aux toilettes, quoi. Ça serait cool. Bon bref, voilà. Un petit tableau en 3D. Je sais pas si vous voyez. Et il était à 2,49€. Il y avait plein d'autres modèles différents. Mais moi, je suis tombée amoureuse de ce petit osio trop mignon. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit vase cactus. Il y avait un autre modèle plus grand, que j'aime bien aussi. Donc, je pense que s'il y est encore, je vais peut-être le prendre. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Un petit vase comme ça, cactus, tout mignon, que j'aime beaucoup. Pour 3,69€. Voilà. J'aime bien. Il est mignon. Ensuite... Donc ensuite j'ai un autre petit vase avec des bambous. Donc voilà la chose que j'ai acheté dans le magasin L'Incroyable, c'est ces petits bambous. Des faux bambous bien évidemment. C'était 3€ la tige. Et j'en ai pris deux. Donc voilà. Et je les ai mis dans le vase. Enfin c'est moitié vase, moitié photophore, j'en sais rien. Du coup j'ai mis une bougie aussi dedans. Une fausse bougie de chez Action. Donc du coup il sert de tout en même temps. Il fait photophore et vase en même temps. C'est super hein. Donc voilà, bref, un grand vase comme ça. Au début, j'ai hésité à l'acheter parce que je le trouvais super cher. Mais après, je me suis fait la réflexion. Si je l'achète chez Maison du Monde, ça... Ouais, trois fois le prix à mon avis. Là, je l'ai payé 8€, 7,95€. Je me dis, merde, c'est vachement cher quand même pour un vase. Mais il est grand. Venant de chez Action, je précise. Hein. Mais voilà, il est vachement grand. Et je me dis, si je l'achète chez Maison du Monde ou chez Alinéa ou même chez Confo, n'importe quoi, j'aurais payé deux fois, voire trois fois plus cher. Donc... Pour 8€, je me suis dit, allez, vas-y, prends-le. Il est très très beau. Il est magnifique. Moi, je l'aime bien. Du coup, voilà. J'ai mis des grands, très grands bambous dedans. C'est sinon, ça se dévide, ça faisait bizarre. Si je mettais juste des mini-fleurs au ras du truc, ça aurait fait trop chelou. Donc, voilà. J'ai mis des grands bambous dedans. Et là, ça fait carrément classe. Moi, j'aime bien, franchement. Je trouve que ça fait classe, Gan. C'est pas mignon? Moi, j'aime bien, hein. Enfin bref, c'est mon point de vue quoi. Et ensuite, dernier petit truc avant de passer au loisir créatif. Pour la première fois de ma vie, je suis allée dans le rayon entretien. D'habitude, j'y vais jamais parce que j'achète tous mes produits d'entretien à Leclerc ou à Carrefour. Sauf que là, j'en avais oublié certains. Donc du coup, je suis allée voir dans le rayon chez Action. Et bah du coup, voilà, j'ai pris ça. J'ai pris que en marque parce que la marque de Action, je sais pas ce que ça vaut. J'ai un petit peu peur. Donc bref, là, j'ai pris pour mes chiottes encore. Du Harpic avec Javel, obligatoirement. Moi je nettoie tout à la Javel, s'il n'y a pas de Javel pour moi ça ne nettoie pas. C'est que mon point de vue. Mais moi il me faut tout à la Javel parce que sinon c'est mort. Bon bref, voilà. Et là en plus celui-là il sent le citron. C'est très bien, moi j'adore le citron. Et je l'ai payé 1,09€. Donc faudrait que je regarde avec la différence de prix avec Leclerc ou Carrefour pour voir si ça y est, si c'est vraiment... Bref, voilà. Je finis pas mes phrases, c'est normal. J'ai repris comme chez Noz un gel lavant pour les mains parce que c'est vraiment très important pour moi parce que le liquide vaisselle ça me nique les mains. C'est un truc de dingue. Du coup voilà, là c'est du Palmolive. Alors que la dernière fois ouais, c'était la marque Noz. Je sais même pas si c'est la marque Noz. Bon bref, là j'ai pris du Palmolive. J'avais hésité aussi avec le petit Marseillais. Je dis oh non, Palmolive c'est bien. Et là celui-là il est au lait d'amande. Ouais, c'est ça, c'est marqué en anglais. Bref, voilà. Pour 1,89€, j'ai un autre gel lavant pour les mains. Et ça, j'en fais une consommation, laisse tomber. Oh, je me lave les mains, je sais pas combien de fois par jour, c'est abusé.
Je suis un petit peu maniaque sur les bords, excusez-moi. Ensuite, ça c'est pareil, j'avais oublié d'en acheter à Leclerc et puis bah, j'étais carrément en rupture de stock. Et c'était un exploit parce que je l'avais jamais vu auparavant. Un après-shampoing chez L'Oréal. Je voulais le shampoing mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que l'après-shampoing. Bah voilà, du coup j'ai pris le shampoing des filles, de mes filles, et puis j'ai utilisé. C'est couillon, mais voilà. Bon, alors moi j'utilise pareil, encore une fois, que L'Oréal. J'ai essayé plusieurs shampoings et mes cheveux n'apprécient vraiment pas. Il n'y a que L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Non, je déconne, non. Mais ouais, les autres marques de shampoing, ça me le fait pas. Il y en a un qui me grattait le cuir chevelu, mais un truc de dingue. Il y en a un autre où les cheveux se cassaient carrément. Et il y en a un, le pire, c'est le lendemain, j'avais les cheveux gras. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc ouais, du coup, moi, je reste chez L'Oréal. C'est ce qui est... Bon, je sais pas si c'est le plus cher, mais en tout cas, c'est celui qui me convient le mieux. Voilà, bref, on s'en fiche. Et la petite bouteille, là, je l'ai payée 2,22€. Donc c'est pareil, j'ai pas encore fait le rapprochement avec les autres magasins, avec Leclerc ou Carrefour, pour savoir si c'est vraiment moins cher ou pas. Ouais, je vois, il y a différence quand même. Ça se trouve, on se fait arnaquer chez Action aussi, hein. Je sais pas. Bon bref, voilà, on s'en fiche. Si on reste dans ce rayon-là, j'ai aussi trouvé des patchs. La dernière fois, j'en avais pris pour le nez, parce que ma fille commence à être adolescente et elle commence à avoir des points noirs. C'est un drame! Du coup, j'avais pris les patchs pour le nez. Et là, je suis tombée sur ceux-là pour le front et le menton, au charbon. Je me dis, on va essayer. Hein. Pour le nez, ça lui va super bien, donc on va essayer ceux-là aussi. Donc voilà, pour pareil, c'était le même prix en plus pour le nez. C'est 99 centimes. 1€ les petits patchs pour les points noirs. Et il y en a 6 dedans. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai les mains très abîmées à force de les laver régulièrement. Donc j'ai impérativement besoin d'une crème hydratante pour les mains. Et ça c'est pareil, j'en fais toute une collection. J'en ai un dans ma salle de bain, il y en a un dans ma chambre, il y en a un dans mon sac à main, il y en a un dans le sac des courses au cas où. J'en ai partout. Et voilà, il faut que ça me suive tout le temps. Une crème hydratante pour les mains. Donc là c'est la marque Nivea, donc c'est nickel. Et je l'ai payé 1,95€, le super grand tube quand même. Donc... Il y avait d'autres marques, pareil, des sous-marques que je ne connais pas et j'ai peur. Hein. J'ai vraiment les mains très abîmées donc j'ai pas envie de faire de conneries. Même si j'ai pas une peau fragile en soi, hein, je peux mettre tout et n'importe quoi, normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà, venant de chez Action, je préfère pas prendre de risques et prendre les marques Nivea. Voilà. Et le dernier petit truc que j'avais oublié, en plus tu l'as vu au début de la vidéo, c'est mon petit coussin avec une tête de loup, il est trop beau. Alors il y en a qui m'ont dit que c'était une tête de renard. Tu vois un loup ou un renard, toi? Pour moi, c'est un loup, hein. Et il est magnifique. Il est trop beau. Puis il est tout doux. Ah, oh, j'adore, je suis trop fan. Bref, voilà. Mon petit coussin comme ça, que j'ai eu pour combien? 4,99€. Il y avait aussi la tête de renard, mais en couleur, parce que là, il est en noir et blanc. Mais je voulais prendre. Mais maintenant, quand je retourne chez Action, il n'y en a plus. Je suis dégoûtée. Je voulais mon petit renard aussi en coussin. Mais il n'y en a plus. Donc du coup là j'ai que mon petit loup qui est tout mignon, tout beau, tout joli, je l'adore. Il est magnifique. Et donc voilà. Maintenant on passe aux loisirs créatifs et là il y en a énormément. Donc on y va. Parce que ça fait déjà une demi-heure, merde. Mais je vais commencer par les trucs que j'ai achetés pour mes filles. Parce que samedi elles vont aller chez mes parents. Parce que nous on doit aller aider des amis pour déménager. Donc on n'a pas envie d'avoir des enfants dans les pattes. Alors je les ai dégagés chez mes parents. Mais pour pas qu'elles se fâchent toute l'après-midi, et ben je leur ai pris des activités. Donc une chacune. Je sais pas comment t'appelles ça, des dessins à gratter, et là ils sont holographiques, je sais plus comment on appelle ça, bref voilà, avec la caméra c'est bien hein. Et il y a combien tu dis? Il y a 24 feuilles à l'intérieur donc du coup elles ont de quoi s'occuper, voilà, et c'était 1,99€ le truc. Et je leur ai aussi pris à tout. Ouh, merde. De quoi faire un attrape-rêve chacune. Parce qu'elles sont comme leur mère, elles adorent les attrape-rêves. Donc du coup voilà, j'ai pris les deux mêmes modèles. Pour pas faire de jaloux, parce que sinon on fait les crises de jalousie. J'en ai marre. Donc bref, j'ai pris chacune un petit attrape-rêve à fabriquer elle-même pour 1,59€. Et parce que j'ai trouvé ça trop mignon, même si la grande commence à être adolescente, à mon avis, ça va la faire chier plutôt qu'autre chose. Je leur ai pris des boules à neige avec des licornes dedans. J'étais trop brillante. C'est complètement débile, mais je sais qu'elles adorent ça. Donc voilà, des petites boules à neige avec des licornes. Regarde, c'est trop chou. Et elles étaient à 1,79€ la petite boule.
Voilà, donc tout ça c'est pour elle samedi pour pas qu'elle s'ennuie chez mes parents. Bon, elles s'ennuieront jamais parce que mon père il est comme moi, c'est un vrai gosse, il adore s'amuser. il regarde mes vidéos, il va m'engueuler quand il va me voir. Je vais m'en prendre plein la gueule. Bon, allez, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Il y a tellement de choses, je sais pas par où commencer. J'ai pris des petites paillettes. Il y avait plusieurs couleurs différentes, mais moi les autres couleurs ça m'intéresse pas du tout. Là je voulais les couleurs sobres, classiques. Doré, bronze, argent, noir, blanc, enfin voilà, tout ça. Hein. Ça se voit à l'image. Hein. Pour 1,56€. Je n'ai même pas encore ouvert. Oh, mais c'est des fioles! Ah, c'est extra! Ah, c'est encore mieux! Je pensais que c'était en plastique, moi. Oui. Oh, c'est super, c'est des petites fioles. Ah, oh, j'adore. Ah, je pensais pas que c'était comme ça, c'est encore mieux. Ensuite, j'ai pris des petits tubes de peinture en spray. Donc là, j'ai pris dans les tons bleu et vert. Il existait en rouge, orange, jaune, mais j'ai... Ouais, moi, je suis dans le bleu et vert, donc voilà. C'est des couleurs très... Pouf ! Qui pètent à la gueule, hein. Voilà, des petits pchits de peinture. À tester. On verra bien ce que ça va donner. Et c'était 1,89€ la boîte de 3 tubes. Si on reste dans la peinture, j'ai aussi pris la palette d'aquarelle nacrée. Il y a 21 couleurs. Oui, je dis pas de conneries. Voilà. Alors j'ai vu plein de vidéos sur cette palette-là. Ils disaient que l'effet nacré ne se voyait pas du tout. Et ben moi je m'en fous complètement parce que je trouve les couleurs très jolies. Donc que ce soit nacré ou pas, ben, je m'en fous complètement. Moi c'est juste pour les couleurs. Voilà. Et je l'ai payé 1,59€ la petite palette. Donc je sais qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur, mais pour 1,59€, c'est même pas 2€, t'as 21 couleurs, franchement t'as de quoi faire quand même. Hein. Donc, faut arrêter de chipoter les gens, hein. Voilà. Donc, pour utiliser toute cette peinture, j'ai aussi j'ai repris des petits pinceaux. Là c'est les tout petits. Il y en a 6, c'est ça, hein, 2, 4, 6, ouais. Pour 1,09€, 1,10€, j'ai 6 petits pinceaux comme ça. Et j'ai pris le gros paquet. Il y en a combien dedans? 12. 12 pinceaux comme ça pour 2,99€. Voilà. Donc là, normalement, cela c'est censé être pour l'aquarelle, mais à mon avis, ça doit être de la merde. Mais c'est pas grave, ça fera le film. Ça le fait, c'est bleu. Oh putain, j'arrive plus. Ça le fera quand même. Ce truc-là, je l'ai voulu depuis une éternité et impossible d'en trouver. Et là, quand je suis tombée dessus, oh, j'étais heureuse, mais heureuse. ces trucs-là, voilà, des petites décorations. C'est du papier cartonné, non? Je pense, hein. Et il y a du papier mousse, là, du double face. Donc, bref, voilà. Là, j'ai pris sur le thème des papillons pour 79 centimes. Et j'ai également pris les petites plumes pour le même prix. Elles sont magnifiques. Voilà, on a tous les modèles. Ils sont trop bons. Moi j'adore. Des magnifiques plumes et des magnifiques papillons. Tout ce que j'aime. Moi je suis contente. Ensuite ça c'est pareil. À chaque fois je les voyais passer sur les vidéos haul et dans mon magasin, impossible d'en trouver. Jusqu'à la dernière fois où j'étais trop contente. C'est les enveloppes bulles. Donc moi j'ai pris les 3 modèles que j'avais. Donc là, à chaque fois c'est par deux. Il y a les crafts et de l'autre côté... Il y a les imprimés. Donc il y a la grille à petits pois, la verte à petits pois et la grille verte à rayures. Voilà. Et c'était 64 centimes le lot de 2 enveloppes bulles. Bon, bref, voilà. Elles sont trop mignonnes. Hein. Vu que... Ça c'est pour ma boutique où je vends mes bijoux. Et bah voilà, j'expédierai ça dans des petites enveloppes comme ça et je trouve ça beaucoup plus mignon, quoi. Il y a de quoi mettre l'adresse et tout, tralala, donc c'est vraiment extra. Moi j'aime bien. Ensuite là c'est pas la suite, je le voulais depuis une éternité, j'y arrivais pas à en trouver. Je trouvais seulement sur le thème de la licorne ou alors de la mer, mais moi je voulais à tout prix, c'est le petit lapin. Et bah ça y est, je l'ai enfin. Et j'ai pas marqué le prix sur celui-là, c'est con. Je crois que ça devait être 1,79€ il me semble. Ou c'était moins de 2€, ça c'est sûr. Donc bref, là je pense que maintenant tout le monde le connaît celui-là. On le voit assez suffisamment. Voilà, donc du coup, voilà, dedans, il y a quoi? Il y a des die cuts, du vellum, des feuilles estampées. Ça doit être les stickers, ça, non? C'est beau. Bref, encore du vellum, mais du texte, et puis bah, des papiers. Voilà. Bah, il y a tout ça.
Je suis même pas sûre qu'on ait vu quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mon petit bloc comme ça que je voulais depuis une éternité. Je suis pas encore habituée à cette frange, en plus c'est dur. Ça me gêne encore un petit peu. Et ça, c'est pareil. Je le voulais depuis une éternité. Oh, à chaque fois que je le regarde, je le vois passer sur des vidéos haul. Et toutes les fois où je suis allée chez Action, il n'y en avait pas. Jusqu'à hier. J'y suis allée hier pour la dernière fois. Enfin, avant de faire cette vidéo-là. Et quand je les ai vus, je me suis dit, oh putain, il me les faut. Alors là, il n'y a pas le choix, je vais les prendre. C'est ces petits trucs-là. Les Papercraft sets. Donc voilà, j'ai pris deux. Les deux qui me plaisaient. Donc il y en a un peu, ouais, tropical, on va dire ça comme ça. Et celui-là sur le thème de la mer. Ouais, on va dire ça comme ça. Bref, voilà, c'est deux blocs de papier. Pour 1,69€. Et t'as plein de choses dedans, c'est un truc de dingue. C'est magnifique. Rien que les papiers, je les trouve sublimes. Il y a les mêmes en plus petit. Enfin, les mêmes, non, mais il y a des feuilles plus petites. Il y avait quoi encore? Il y a des tags, des dailles, des stickers, il y a des plumes et il y a un ruban en satin. En satin ou en bronzer? Non, c'est du satin, je crois. Bref, voilà. Là, c'est sur le thème, on va dire, tropical. Il est magnifique, celui-là. Et celui-là qui est sur le thème de la mer, qui est trop beau aussi. Il y a des feuilles qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Je l'ai déjà déballé, j'ai juste remballé juste pour vous montrer. C'est trop, trop beau. Il y a encore un bloc de papier que je cherche. Enfin, c'est pas vraiment un bloc, c'est un truc de carte postale, il me semble. Mais impossible d'en trouver. Un jour, peut-être, hein. Je garde espoir. Et en attendant, eh ben, j'ai trouvé ces deux autres trucs de carte postale. Ces deux blocs-là. Enfin, il y en avait plein d'autres, mais il y a que ces deux-là qui me plaisaient. Donc celui-là qui est un peu un thème printanier, on va dire, à peu près. Là, tous les modèles sont déjà ici. J'adore surtout le petit papillon et la petite libellule. C'est ce que je préfère. Ouais, c'est des petites cartes postales, mais je suis pas sûre de m'en servir en tant que carte postale. Hein. Ça m'étonnerait. Et celui-ci qui est tout en bleu. Tout en bleu. Voilà. Et à chaque fois, c'était 99 centimes le petit bloc de 24 feuilles. Avec nos 12 modèles différents à chaque fois. Et pour terminer, le dernier petit truc que j'ai acheté. Et il faut que j'arrête d'acheter ça parce que j'ai plus de place. J'arrive plus à les stocker, je sais plus où les mettre. C'est les blocs de papier 30-30. Voilà, donc là celui-là, c'est un vintage. C'est marqué dessus, c'est comme le porte-salut. Comme tout à l'heure. Et puis bah voilà, donc là c'était 1,79€ le bloc, comme à chaque fois. Non, parfois c'est 2,59€, mais c'est parce qu'il y a du vélum. Non, pas du vélum. Comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Bon bref, on s'en fout. Donc bref, voilà. Je sais pas si on voit bien. Mais il est magnifique. C'est plein d'effets de texture un peu vintage, comme elle dit si bien. Je le trouve trop beau. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est simple. C'est des couleurs passe-partout. C'est nickel. Et donc voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, parce que ça a été très très long. Au secours, merde. J'ai un petit peu abusé. Je crois que j'ai fait un peu trop de blabla. Bon bref, donc du coup, voilà, c'est tout. Ça y est, j'ai fini. J'essaierai de faire des vidéos beaucoup plus courtes la prochaine fois. J'attendrai de moins cumuler. Parce que là, j'ai cumulé pas mal de choses quand même. C'est depuis début janvier. Janvier, février, début mars. Hey, quand même, hein. Bon bref, voilà. On va couper court à cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, même si elle était très longue. Je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!